Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le tout nouveau Nissan Qashqai. Donc on avait déjà fait une présentation d'un modèle qui ressemble énormément à celui-ci, donc les modèles de pré-série il y a quelques mois. Et cette fois-ci, ça y est, c'est officiel, on fait les essais internationaux. Je vous la présente comme d'habitude en détail. Donc on va refaire un petit tour de l'extérieur, de l'intérieur, voir un petit peu ce qui se fait sur ce nouveau Qashqai. Et ensuite, cette fois-ci, on va vraiment pouvoir en prendre le volant pour pouvoir faire comme d'habitude un essai assez détaillé sur quasiment tout type de routes. Donc c'est parti, je vous présente un petit peu les motorisations, ce qui vient de nouveau, etc. Et ensuite, essai routier. Alors, le tout nouveau Qashqai, donc pas mal de choses différentes, et on va commencer par les motorisations. Alors pour le moment, il y a trois versions sur le marché avec une boîte manuelle avec une version 140 chevaux, et aujourd'hui on a la version ici, la 158 chevaux, avec une boîte automatique CVT. Il existera cette version en deux roues motrices ou en quatre roues motrices. On aura plusieurs choix. Et ensuite, l'année prochaine, on aura une version e-power qui arrivera. Ça, je vous en reparlerai un petit peu après. Mais concrètement, ce sera un moteur thermique qui va alimenter des batteries, qui va alimenter les roues et qui fera tourner la voiture grâce à une sorte de voiture. Ce serait une sorte de voiture électrique, mais alimentée par un générateur thermique. Ce n'est pas encore le cas, mais ça, on y reviendra l'année prochaine lorsqu'il y aura les essais pour le moment. Et j'essayerai dans la journée d'essayer la version en boîte manuelle avec le moteur 140 chevaux. Le Qashqai, donc ça s'est énormément vendu. Au niveau de la taille, ça a été très important pour Nissan de garder les mêmes proportions qu'il y avait avant. Au niveau du gabarit, donc on est sur un véhicule qui fait 4,42 m, ça a pris environ 3,5 cm de plus, 1,83 m de large. Pareil, ça a pris environ 3 cm sur 1,62 m. Ça a pris 3,5 cm de plus en hauteur. Donc là, pareil, ça va bénéficier aussi à l'intérieur. Et l'empattement s'est allongé un petit peu de 2 cm environ pour avoir une meilleure tenue de route. Et pareil, on a un châssis tout nouveau, donc la plateforme CMFC, qui permet d'avoir pas mal de nouvelles choses. Et surtout sur ce segment des SUV, ce sera la nouvelle plateforme qui sera la référence. Sur tout ça, il y a aussi pas mal de choses qui ont changé. La carrosserie qui a changé, le châssis qui a changé, et ça permet d'avoir gagné 60 kg aussi. Ça, le poids, ça joue aussi sur le côté dynamique de la voiture et ça joue aussi sur les émissions. Donc, moins 60 kg sur cette voiture. Autre chose, donc les motorisations, on en a parlé, mais toutes les motorisations actuellement disponibles sont du mild hybride. Donc, c'est de la micro-hybridation avec une petite batterie qui va jouer en sorte de gros start and stop. Donc qui sera disponible sur toutes les motorisations disponibles actuellement. On a des moteurs 1,3 litre, donc le 1,3 litre pour le 140 chevaux, tout comme celui-ci, le 158 chevaux. Ce qui a été travaillé également avec ce châssis et cette carrosserie, c'est que c'est beaucoup plus rigide, 48% plus rigide. Ça amène un comportement dynamique un petit peu mieux, et on va voir sur la route si c'est vraiment le cas. Sur l'avant de la voiture, comme on peut le voir, tout est nouveau, rien ne ressemble à l'ancien. On a les feux ici façon boomerang qui sont des feux en full LED, ça c'est un gros plus, et on a des feux matrix LED sur cette version aujourd'hui. Un capot simple comme on peut le voir avec juste ce qui part du grand V ici qui vient sur la ligne, qui vient se terminer quasiment jusqu'au rétro là, et ensuite quelque chose de très simple. Une grosse calandre ici donc en plastique, ouverte là sur le bas avec là, le plastique qui est brillant, donc ça donne un effet presque miroir, c'est plutôt sympa. Et le grand V, donc façon miroir, avec deux sortes de V, avec, pareil, là, ici, on a une sorte d'alu un peu poli, et là, on a vraiment un chrome, ce qui donne, pareil, des textures un petit peu différentes. Ça donne un caractère sympa. La plaque, en dessous, on a des aérations pour aller au radiateur, les radars de parking, caméra ici, puisqu'on a les caméras 360, ça, c'est un gros plus. La lame ici qui est toute en plastique, les anti-brouillards en LED, donc on a vraiment du full LED sur l'avant, pas d'ampoule, les clignotants qui seront ici. Sur le côté, on peut voir des belles entrées d'air ici, donc pas factice, ça aussi ça joue énormément sur l'aérodynamique et ça fait baisser un petit peu le coefficient de pénétration dans l'air, le CX, et ça joue sur les émissions également. Au niveau du pare-brise, là-haut, on aura les caméras puisqu'on a le ProPilot, donc concrètement les assistances de niveau 2, ça vous maintient dans les lignes. On a la lecture des panneaux. Ça, c'est un gros plus, et la vitesse va s'adapter au panneau lorsque vous allez rouler avec le ProPilot. Comme d'habitude, look SUV, donc les arches de roue en plastique, les bas de caisse en plastique, à l'avant, la lame en plastique, et à l'arrière, on verra, pareil, le bas en plastique, donc ce plastique noir qui donne ce côté un petit peu
tout terrain, même si on aura quand même cette fois-ci une vraie version 4 roues motrices qui pourra permettre là de peut-être aller faire un petit peu de tout terrain. Au niveau de la garde au sol, bon, on est pas mal, mais ce sera pas un Range Rover quoi. On a des petits détails en plus sur cette version, donc avec le cache-cas ici qui est imprimé directement dans le plastique. C'est plutôt joli, c'est un petit rappel sympa. Les jantes, on a les options, les jantes en 20 pouces sur cette version Tecna Plus, qui sont franchement bien jolies. On va voir sur la route par rapport au confort ce que ça donne. Sinon, ça pourra commencer à partir du 17 pouces, donc 17, 18, 19 et 20 pouces. On a le biton, les belles barres de toit ici, pareil, qui reprennent une façon alu-polie. Très sympa, les rétros noirs, les répétiteurs ici, avec des caméras pour les caméras 360. Et on a aussi un beau toit panoramique et une petite antenne requin tout là-haut. Comme on peut voir, les panneaux de porte sont très grands. Ils ont vraiment travaillé tout ce design avec des panneaux assez grands qui donnent un peu ce style assez sympa avec des lignes assez marquées. Donc on a une ligne qui part vraiment de là, qui vient traverser toute la voiture et qui part de l'avant. Vraiment, elle traverse toute la voiture, ligne assez marquée, tout comme les lignes qu'on a ici. Les portes, poignées de porte façon frigo. Ici, la trappe à essence. À l'arrière, bien évidemment, c'était tout neuf, tout beau aussi. Pareil, donc toujours ce petit rappel avec les feux, ici façon boomerang. On a, ça c'est pas du LED on dirait, on a une petite ampoule ici. On a quasiment du full LED à l'arrière. L'essuie-glace là, le long béquet ici qui inclut le troisième feu stop. Le logo Nissan, ça nous rappelle vraiment les anciennes. Le mot cache-ca ici, puisqu'on veut savoir ce que c'est. La caméra de recul. Elle est juste ici, donc plus bas comme je disais, donc on a ces parties en plastique avec ça qui rappelle vraiment pour le design, les petits réflecteurs sur le côté et on ne voit pas l'échappement, il est caché juste en dessous. Cette fois-ci, gros plus, on a enfin un hayon électrique. Ça c'est quand même plus sympa et ça donne un côté un petit peu plus premium à cette voiture également. Alors, dans le coffre, on a possibilité d'avoir le plancher plat avec la hauteur du seuil de chargement ici et on a deux trappes, on peut ouvrir ici ou la partie qui est plutôt sur l'arrière et on peut aussi rabaisser le plancher, donc j'enlève mes deux trappes, je refais glisser ça, hop hop, et là j'ai le plancher plus plat. Si je veux gagner encore ça d'espace en plus, je peux totalement l'enlever et là ça me donnera encore plus de volume de chargement. Au niveau du volume de chargement, ici, on a jusqu'à 504 litres dans ce coffre. Donc, je peux rentrer facilement. Regardez l'espace qu'il y a. C'est vraiment spacieux. À l'intérieur, j'ai des rangements sur les côtés. Regardez, ici, par exemple, je peux y loger cette grande trousse sur le côté. Et je pourrais le faire de l'autre côté également. À l'intérieur du coffre, une petite lumière ici. De ce côté-là, j'ai ma prise 12 volts et des petits supports pour accrocher vos sacs. Pour abattre les banquettes, il faudra le faire de l'intérieur. Hop. Je tire ici et ce sera pareil de l'autre côté. Donc on a du 2 tiers, 1 tiers sur cette voiture. Hop. Et voilà. Donc là, on a un très grand volume de chargement qui va jusqu'au siège avant. Et si on veut, on peut avoir le plancher plat d'ici au siège avant si on remonte ici le plancher. Et pour refermer, j'ai juste appuyé ici et ensuite j'ai plus qu'à aller me balader. Alors à l'arrière, regardez l'ouverture de la porte, on est quasiment à 90 degrés, et ça c'est le top du top pour pouvoir rentrer. Regardez, je vais m'installer tellement facilement à l'intérieur. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'une minute, on peut quasiment sauter d'ici à là-bas sans toucher les sièges. Bon, l'espace à l'arrière et la porte, donc je vais la chercher. J'ai de quoi ranger une grande bouteille dans la portière arrière ici. J'ai une finition assez sympa, là j'ai un cuir un peu couleur pétrole, j'adore. Sur cette version aujourd'hui, on a les enceintes Bose avec 10 enceintes à l'intérieur, le son est quand même vraiment pas mal. De ce côté-là, alors s'il vous plaît, pensez à mettre une petite languette pour les accoudoirs, c'est difficile d'aller enfoncer son doigt. Un accoudoir ici, qui est plutôt pas mal, qui est très grand, regardez, il fait vraiment la longueur de tout mon avant-bras. Deux porte-gobelets, pas de trappe à ski. Et une fois que je suis là, je suis bien installé. Regardez, moi je fais 1m80, j'ai de l'espace ici aux genoux, j'ai de l'espace aux épaules, je me sens bien. J'ai de l'espace pour la tête parce que c'était recreusé ici à cet endroit-là. Et là, j'ai ce grand toit panoramique qui est franchement ultra agréable.
Je remonte ça. Et comme vous pouvez le voir, hein, moi, je suis bien à l'arrière. Ceinture pour la troisième place ici, juste là. La place du milieu, donc il y a un petit tunnel central. Ce qui est OK cette fois-ci parce que on a une version 4 roues motrices. Donc, OK, je veux bien. Et au final, je peux mettre mes pieds quasiment entiers dessus. Alors, ce siège est un petit peu reculé. S'il était un peu plus avancé, je pourrais laisser mes pieds dessus facilement. Et bien, au final, regardez, là, je touche pas là-haut. J'effleure un petit peu avec la houppette juste là, mais c'est tout, je suis bien. Le siège est un peu ferme, tout comme le dos ici qui est la couloir centrale. Mais franchement, je suis plutôt pas mal. Je pourrais faire un petit bout de route ici. Alors, peut-être pas traverser la France, mais pas mal. Sur les côtés, on a les petites poches ici de chaque côté. On a les fixations ISOFIX, pareil, à gauche et à droite. Et sur cette version aujourd'hui, on a les selles récuir avec les surpiqûres un petit peu partout qui sont très très jolies. Ici, aérateur, donc pas de trizone, ce sera le bizone de l'avant. Et deux ports USB, un USB-C et un USB type A encore. Alors, sur l'avant, j'ai une grande porte qui paraît assez légère. Pareil, elle s'ouvre assez grand, ce qui me facilite l'entrée dans le véhicule. Et hop, franchement, on a un bon feeling avec la porte. Donc, ma position de conduite, là, je me suis réglé assez bas. Je suis plutôt bien installé. J'ai le volant qui est réglable en profondeur et en hauteur. Donc, on a quand même pas mal de marge. C'est peut-être un petit peu haut. Derrière le volant, j'ai des petites palettes. Et là, mon accoudoir ici. Alors, est-ce qu'il est réglable? Non. Ok, dommage que lui, il ne s'avance pas. Ça, ça aurait été un petit plus. Voilà ma position de conduite. On est plutôt pas mal. Peut-être ça, le rétro qui est assez gros ici, l'écran qui remonte un peu. Je n'ai pas une énorme plage de visibilité ici. Ça va, ce n'est pas une 208. La 208, c'était vraiment très très serré, ou la Yaris GR. On a une zone assez étroite, mais ça va si on se positionne assez bas. Pour les grands qui aiment se positionner haut, je vous avoue qu'il sera peut-être un petit peu gênant, mais on a une bonne rétrovision quand même. Bon, je vous montre l'intérieur directement vu d'ici, et ensuite on va faire un tour. Alors, nous voici à bord donc de ce nouveau Qashqai. Je vais vous le démarrer. Donc, pied sur le frein, j'ai le petit bouton start ici. Ça me démarre la voiture et comme vous pouvez le voir, enfin, bravo Nissan, merci. On a ici un écran et un deuxième écran. L'affichage tête haute, alors qu'on verra un poil ici, je ne sais pas si vous voyez le 0 km/h ici, mais 10 pouces 8 ici, ce qui est juste énorme. Ensuite, cet écran ici, on a 12,3 pouces. Ça, c'est pareil, c'est gigantesque et c'est quand même un gros plus. L'écran, donc, on le règle avec ça ici. On peut retourner dans les infos. On peut changer de mode d'affichage. On a deux modes d'affichage, donc soit avec ces compteurs-là, soit avec ceux-là qui sont un petit peu plus classiques. Au niveau de la couleur, on restera sur ces couleurs. Le volant, donc, on a un volant en cuir ici. Très sympathique. On a les touches du volume, de quoi naviguer dans les menus, changer ici et avoir pareil l'accès avec les raccourcis sur les menus, sur l'écran. À droite, ce sera tout ce qui sera régulateur et ProPilot qu'on essayera pendant la conduite, la commande vocale, décrocher au téléphone et régler la distance entre nous et le véhicule qui nous précède. Derrière le volant, comme je disais, on a des belles petites palettes ici. On a les essuie-glaces à droite, comme on connaît, avec bien sûr un mode automatique. Et à gauche, les feux avec bien sûr un mode automatique également. Allez, on va voir la porte. La porte, donc ici, cette fois-ci, c'est pas comme l'arrière, c'est pas un plastique dur, donc c'est moussé. On a ce cuir, donc façon couleur pétrole, comme je vous disais, comme à l'arrière. Bonne grande poignée, mémorisation des sièges, puisqu'on a des sièges électriques, et en plus, on a des sièges massants. Regardez, je vous montre le siège tout de suite. Les sièges ressemblent à ça, donc on a un bel appui-tête bien mou ici, avec des beaux sièges, avec les surpiqûres et le massage. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et ils sont également chauffants sur trois positions. On continue la portière. Donc ici, les rétroviseurs, les réglages, ouverture-fermeture du véhicule, les fenêtres avec impulsion sur les quatre fenêtres. Ça, c'est cool. Cette petite finition ici, assez sympa. La poignée qui est bien profonde. On peut ranger pas mal de choses. Alors, est-ce que je peux me mettre un téléphone ici? Je peux même me mettre un téléphone. C'est pas mal. Un grand rangement, on peut mettre une grande bouteille, bien. Sur le côté ici, ça, c'est les aides à la conduite, si on veut l'activer, désactiver, le start and stop, avoir l'affichage tête haute ou pas, ouvrir le coffre d'ici, et la luminosité des compteurs juste ici. Une aération, la casquette ici,
Là, donc pareil, ça c'est emmoussé, ça c'est emmoussé. On a une belle finition ici, là, sur tout ce qui est le haut du tableau de bord. Pareil, là, avec cette belle couleur, avec ces rappels de surpiqûre. Les aérateurs, aérateurs très simples, tout comme la commande de clim, très simple, mais par contre, ils ont gardé des vraies touches physiques. Pour moi, c'est un plus quand même d'avoir des touches physiques, parce que tout le temps aller dans les menus et les écrans, je ne suis pas super fan. Donc, touches physiques pour tout ce qui est clim. On peut régler les sièges chauffants ici sur trois positions, comme je vous disais, et ensuite, bah, tout le reste, on a même le volant chauffant et on a le pare-brise chauffant aussi pour l'hiver. Donc, alors par contre, le pare-brise chauffant, alors là, vous ne le verrez pas, mais c'est rempli de plein de petits filaments qui permettent l'hiver de dégivrer super rapidement. Ça, je dois le dire quand même, parce qu'il faut rester critique. Moi, ça me dérange, parce que une fois qu'on l'a vu, moi, je ne vois que ça. Ici, plus bas, on a la touche pour démarrer. On a le chargeur ici par induction, en dessous des Ricola et du gel. Ça, c'est la clé, la voiture, qui ressemble à une clé de toutes les Nissan. Même sur une Nissan GT-R, c'est la même clé. Cette console ici, hop, donc pareil avec la même finition que sur le côté, avec des petits reflets et des petits stries. Pour passer la marche arrière, on appuie ici, on remonte. Ce qui m'active, les caméras 360. Comme vous pouvez le voir, la qualité n'est pas mauvaise. Et ensuite, je peux repasser en marche avant et ça me désactive la caméra. Pour repasser en marche avant, c'est comme ça. Et si je retire une fois, je passe en mode sport ou en mode normal. Et pour retourner au mode parking, on appuie ici et on repasse en parking. Ici, on a le secteur de mode, donc on a plusieurs modes. J'ai le mode sport, standard et éco. Ça ne me change rien à l'affichage, mais ça me changera la réponse à la pédale. Un peu plus bas ici, deux grands porte-gobelets, on peut mettre deux bouteilles. Ensuite ici, on ouvre sur deux niveaux grâce à ça. Donc soit j'ouvre juste ici, soit j'ouvre plus grand avec ça ici, donc avec deux ports USB comme à l'arrière, type C et type A. Avec une bonne profondeur ici, on pourra remettre encore ce genre de petite bouteille. Plutôt pas mal. Oui, 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 je ne vous ai pas parlé de ce petit écran. Donc, ce petit écran qui est quand même assez grand. On a un écran de 9 pouces ici, donc tactile. Et avec des touches de raccourci ici, par exemple, le menu. On a des raccourcis sur la page d'accueil, donc on peut avoir le menu, ensuite ce qui est GPS, l'heure, etc. On a les réglages, les infos, on peut mettre le volume de cette façon et là changer de vue ou autre. Voilà pour tout ce qui est ici. Là-haut, le rétroviseur ici, donc qui est assez gros, on aurait pu faire un petit effort là-dessus, j'aime bien les rétroviseurs borderless. Ici, on a de quoi fermer le rideau donc de ce beau toit panoramique. Regardez, je vous en fais profiter. Regardez la taille. Donc là, on a les sièges arrière et regardez, c'est vraiment top. J'aime beaucoup. Avec, bien sûr, le bouton SOS ici et les lumières qu'on activera à cet endroit-là. Le pare-soleil, hop, la LED qui s'allume, qui va bien. De quoi ranger le ticket. Sur ce côté-là du tableau de bord, regardez cette finition. Ils ont bien travaillé. Franchement, il y a un bel effort de fait sur cette version haut de gamme. Et la boîte à gants, juste ici. Alors, pas très très grande, mais qui sera suffisante pour mettre les documentations ou autre. Et à droite, pareil, la porte avec ces deux mémorisations de sièges. Là, on est sur une version assez haut de gamme. Et voilà à quoi ça ressemble. Et on a des petits rappels avec les enceintes Bose, ici sur les montants. Et là-bas, donc on aura franchement une qualité sonore vraiment bonne. Bon, il reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, on va partir faire l'essai donc de ce Qashqai. Et ça commence avec l'LED au démarrage en côte. Donc on a la version 158 chevaux avec la boîte ici CVT. Alors, on va commencer, on a plusieurs modes comme je disais. On va commencer en mode éco. Moi j'aime bien le mode éco. Parce que souvent c'est plus calme, c'est plus doux, ça s'énerve moins. Et on va voir ce que ça donne. Donc, à première vue, c'est plutôt calme dans l'habitacle. Donc, la boîte est faite pour passer les rapports le plus vite possible et consommer, bien sûr, comme d'habitude, le moins possible également. On a les jambes de 20 pouces sur ce modèle aujourd'hui. Donc, on va voir niveau confort ce que ça va être, puisque c'est très important aussi. Et bah, c'est pas déconnant en passant sur les grilles.
plus on a des jambes qui sont grandes, moins on a de confort souvent. Et au final, là, on a l'air d'avoir une suspension plutôt agréable. Donc on va commencer par des petits lacets là. En mode éco, bah, c'est plutôt bien. J'ai des palettes derrière le volant. Je peux passer les rapports. Et ça se remet en mode D au bout de quelques secondes. Alors, là on est un petit peu en montée. La voiture est pas trop bruyante pour une boîte CVT. Alors, je vais essayer de pousser un peu plus. Alors, franchement, même quand on pousse un peu plus, et ben c'est pas déconnant. Et à fond. Il y a une reprise suffisante. Alors je dirais pas que c'est sportif, là on est en mode éco également. Alors si par exemple je passe en mode sport, bon, et ça s'énerve tout de suite un peu plus. On voit quand même une vraie différence entre le mode éco et le mode sport. Là ça pousse plutôt pas mal. Donc on sent bien qu'il y a les chevaux. Niveau du comportement, là même dans les virages, vous avez vu, ça se comporte bien, ça tourne bien. La direction est pas mal. Donc la direction était revue sur ce modèle comparé à l'ancien, surtout sur le point milieu. Et elle est plutôt agréable. Allez, on essaye un peu plus vite en courbe. Le châssis est pas mal et elle prend pas beaucoup de roulis, vous avez vu. Et ça, c'est une bonne surprise, parce que sans avoir essayé vraiment avant, là j'essaye vraiment en live avec vous, au vu du confort des suspensions, eh ben, je m'attendais à ce qu'elles prennent un petit peu plus de roulis. Et c'est vrai que même dans les virages, elles restent quasiment à plat. Et ça, c'est une bonne surprise. Et on va essayer au freinage. Alors, au freinage, elle va se mettre un petit peu sur l'avant, mais c'est vraiment pas déconnant. Donc là, je suis en mode sport, je vais repasser en mode éco. Donc comme ça, ça recalme un petit peu tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut passer aussi juste la boîte en mode sport, donc pour que ça relance un peu plus. On peut pas passer directement en séquentiel avec la boîte, on peut le faire avec les palettes si on veut. Donc là, je peux tomber des rapports. Et là, je peux pousser un peu plus. Alors, le compteur de vitesse monte assez vite. On dirait pas, et comme c'est confortable, bah on voit que ça monte assez vite. Il faut faire attention à pas se faire surprendre par la vitesse. De nuit, alors enfin en conditions sombres on va dire, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a bien sûr les feux automatiques, on a les feux à LED, donc à l'avant, donc c'est du full LED hein, comme je disais, et l'ambiance de nuit, voilà à quoi ça ressemble. Donc là par exemple on est dans une zone bien sombre, donc on a toujours cet écran ici qui s'affiche, on a l'affichage tête haute qui baisse un petit peu en luminosité, et pareil pour ici. On a sur le côté ici, donc dans les portes, deux petits bandeaux seulement à l'avant, donc voilà, c'est pas très personnalisable ou autre, mais voilà, ils ont fait un petit effort sur ce Qashqai quand même. Et donc on a le ProPilot qui est un régulateur adaptatif, mais qui va aussi s'il y a des lignes, pouvoir conduire tout seul, donc avec la conduite de niveau 2. Là, ça va pas le faire puisque les lignes ne sont pas bien tracées, et on aura un petit volant qui s'affichera pour vous dire que ça conduit tout seul. Alors, sur ce bel écran, on a bien sûr l'Android Auto, l'Apple CarPlay, et ce qui est top, c'est que l'Android Auto est rempli vraiment bien tout, il n'y a pas une partie noire ou autre. Ça, c'est un gros plus. On a franchement une très bonne lisibilité, l'écran est assez grand. Le tactile est assez réactif, moi c'est une bonne chose. Alors, on a un rond-point. La voiture ralentit toute seule pour arriver au rond-point. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, elle arrive peut-être un poil vite. Allez, on se fait comme d'habitude test tenue de route dans le rond-point. Alors, ça prend un peu de roulis. Il y a un petit sous-virage. Au final, c'est plutôt sain comme comportement. Ouais, c'est plutôt pas mal.
et en changeant de côté. Non, ça se comporte bien. Vous voyez que la voiture, donc, elle se fait emmener un petit peu sur l'avant. Donc, le sous-virage, souvent, ça reste très facile à maîtriser. Et, enfin, vous avez vu, dans les sièges, au final, j'étais à la limite de la voiture. Bah, je me faisais pas trop emmener. C'est plutôt une bonne chose. Donc, ça veut dire qu'on a un bon maintien au niveau des sièges. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, le tableau de bord, bah, il y a une bonne lisibilité et surtout l'affichage tête haute. J'avoue qu'il est énorme et je le vois super bien. J'ai mes informations par rapport au ProPilote. J'ai tout ce qu'il me faut en vrai. Alors là, on a l'affichage tête haute. C'est plutôt bien. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est plutôt agréable à regarder. Et en tout cas, il est très très lisible lorsqu'on est conducteur. À 50 km/h, au régulateur, franchement, absolument rien à dire. La voiture se débrouille très bien, c'est confortable. Là, vous avez vu ce grand toit là, j'en profite. Ça fait du bien, c'est lumineux dans l'habitacle. Et encore, s'il y avait eu un intérieur clair, moi j'aurais été ravi. C'est top. J'ai la clim, donc j'ai le soleil au-dessus de moi. Je sens qu'il fait pas si chaud que ça. Au final, c'est bien. On a bien sûr le filtre UV et sur la vitre du haut. Et on est bien à 50. C'est top. Alors après, sur l'écran du fond, je peux avoir mes réglages, mes informations de conduite, ma conso moyenne, ma conduite. Je peux avoir la pression des pneus, ça c'est pas mal. Le GPS, la boussole, les aides à la conduite, les angles morts. On est vraiment bien, on a tout ce qu'il nous faut. Alors là je suis à 50, il y a un panneau 70, on va voir est-ce qu'elle va le détecter toute seule et est-ce qu'elle va passer à 70. Elle me dit 70. Ah, elle me demande la consigne d'appuyer vers le haut si je veux. Elle va se mettre à 70 en un clic. Elle me demande quand même ma confirmation. C'est bien agréable. C'est bien insonorisé. J'ai très peu de bruit de roulement. Bonne surprise en tout cas pour moi. Jusqu'à présent, tout est bien. Allez, on va aller s'insérer sur la nationale. Et ensuite, on va se faire un petit bout sur autoroute. Là, je suis sur une nationale, tout est bien tracé, regardez, sans les mains, sans les pieds. Donc là, c'est le ProPilote qui me pilote. Alors, il me dit de laisser les mains sur le volant, bien sûr, c'est obligatoire en France. On doit toujours rester maître de son véhicule. À 70, regardez, on entend très peu les voitures qui passent sur le côté. Le moteur, je l'entends quasiment pas. Quasiment pas de bruit de roulement. Là, ça va passer à 90. Il me demande de confirmer. Elle va aller se mettre à 90. Ça y va gentiment. C'est souple parce que je suis dans le mode éco également. Et pareil, hein, je peux toujours la laisser faire. Et ça, c'est top. Moi, j'avais traversé avec le Nissan Juke de Paris jusqu'à Chamonix. Le ProPilote avait conduit toute la route. Je suis vraiment un adorateur, moi, de cette option. Donc, à 90 km/h. Ça va bien, pas de bruit. Franchement, je suis quand même assez bien isolé et c'est assez surprenant. Ça fait limite une ambiance un petit peu plus haut de gamme que ce que c'est. Allez, on passe à 110. Donc ça passe à 110 km/h. Donc là, j'ai une voiture qui s'insère devant moi. Un petit peu moins vite, ça me ralentit, elle va s'adapter à la voiture qui aura devant moi. 110, pareil, quasiment absence de bruit du vent ou autre, donc ça veut dire qu'on a une bonne aéro. Et là, on va passer à 130. Donc, allez, j'essaye de relancer un peu plus fort en appuyant à fond. Ça relance plutôt pas mal, hein, avec 158 chevaux, quasiment 160. Donc 130 km/h. On commence légèrement à voir du bruit du vent au niveau des montants, ce qui est tout à fait normal. Ça reste toujours aussi confortable. La voiture, regardez, là on est en virage, elle se débrouille bien. Non, franchement, bonne surprise. C'est agréable. En plus, ces sièges sont top, mais j'avais totalement oublié. J'ai une fonction massage. Ah, la fonction massage. Ça, ça fait du bien. Donc j'ai des massages dans le dos,
Et là, je fais mon petit bout d'autoroute. Et voilà, c'est parfait. Que demander de plus? Donc, en vrai, elle se débrouille vraiment bien, quasiment partout. C'est quand même mieux que l'ancien Qashqai, c'est un petit peu mieux insonorisé. Il y a eu un beau travail de fait sur l'insonorisation de cette voiture. Et ben franchement, je suis agréablement surpris. Alors, lorsqu'on fait des manœuvres, on a la Kemar 360 sur ce modèle. La qualité est pas trop mal. Franchement, ça va. On a une bonne luminosité, on voit bien. Et si je veux, lorsque je repasse en marche avant, j'ai le bouton caméra ici qui me permet d'afficher les caméras 360 et la marche avant également. Puisque sinon, dès qu'on repasse la marche avant, ça se désactive. Allez, on va se mettre un petit peu de conduite dynamique, voir ce que ça donne. Donc le mode sport. Allez, on relance un peu. On est plutôt pas mal sur les relances. Comme je disais, c'est comme c'est très confortable, c'est difficile de sentir la vitesse. Le châssis est plutôt bon. Regardez. Alors on sent qu'il y a un petit peu de poids. Mais en vrai, ça se débrouille vraiment bien. Alors, on va essayer de se stationner. Allez, marche arrière. Hop. Avec les caméras 360, c'est top. On a juste à regarder l'écran. On va voir si je suis pas trop mauvais. On voit vraiment partout, à l'avant, à l'arrière. Hop, on va le faire en deux manœuvres. Et hop, et voilà. Donc au final, ça rentre dans une place normale. Le gabarit, on s'y fait assez bien. On a deux beaux rétros sur les côtés avec une très bonne visibilité. Ça aussi, on parle pas souvent de la visibilité dans les rétros, mais là, on voit vraiment bien. Allez, on ressort. Comme les caméras ont des bonnes définitions, on voit vraiment bien et on peut aller vraiment jusqu'au bout. Et là, je peux me la remettre là, comme ça. Hop, je vois où je vais. Putain, c'est top, il y a même les rétros sur les côtés. Ça m'affiche où ça bip. Ça, c'est quand même vraiment bien. Donc, en ville, comme on peut le voir, ça se débrouille bien. C'est confortable. Sur les dodanes, on est pas mal. Allez, je vais improviser, on va tourner par là, on va se faire des petites montées. Hop, je vais repasser en mode écho. Le mode écho, ça calme tout de suite. Et on sent que ça y va tranquillement. Même sur les pavés, franchement, très très peu de vibrations. En plus, avec ces sièges confort, on ne sent quasiment rien. C'est vraiment top. Alors là, on arrive dans des petites ruelles. Hop. Oh, le gabarit, on arrive à l'avoir assez facilement. On a un freinage bien progressif. Lorsqu'on s'arrête, donc on a l'utilisation de cette micro-hybridation, ce mid-hybride. Donc en gros, c'est concrètement juste un gros start and stop. Parce que oui, on ne l'avait pas testé jusqu'à là puisqu'on faisait que rouler. Donc, l'idéal de ce mid-hybride, c'est lorsqu'on s'arrête comme ça et qu'on veut repartir, ça redémarre beaucoup plus vite que juste un gros start and stop, enfin que juste un start and stop de base. C'est, ça relance le moteur avec cette grosse batterie et ça fait économiser un peu plus de carburant. L'idéal serait vraiment d'avoir ce sorte de micro hybride mais un petit peu plus poussé pour justement faire encore plus d'économie de carburant, et ça aurait été top. Là, elle s'est re-arrêtée pendant qu'on reroulait à basse vitesse. Alors ça le fait de temps en temps, pas tout le temps, c'est elle qui gère un petit peu son histoire. On va se mettre en mode sport. Et on va voir ce que ça donne sur un petit 0 à 100. C'est parti. Allez, go. Alors, ça met un petit peu de temps à démarrer. Ça pousse jusqu'à 6000 tours. Et on est à 100.
faut la pousser. Ça marche, c'est correct. Mais on sent pas que ça y va, quoi. Mais en tout cas, ça y va. Alors, cette fois-ci, je suis passé dans une version Tecna, donc pas Tecna Plus, avec le moteur 140 chevaux et une boîte manuelle. Donc, on trouvera la boîte manuelle sur cette version. Toujours en deux roues motrices, donc en traction. Là, on a les jantes en 19 pouces cette fois. Tout à l'heure, on avait les jantes en 20 pouces. Sinon, elles sont en 18 pouces d'origine et on peut avoir les options, donc 19 sur celle-ci et 20 pouces pour la Tecna Plus. Hop. Le moteur, bah pareil comme tout à l'heure, ça reste toujours plutôt silencieux. La boîte, elle est confortable d'utilisation. Hein. Quand je passe les rapports, il s'engage facilement. Alors on sent qu'en bas dans les tours, il n'y a pas grand chose. Il faut monter, s'approcher vraiment des 2000 tours, hein, comme quasiment tous les moteurs. On sent tout de suite que ça manque un petit peu plus de peps et un petit peu plus de couple que l'autre, que la version 158. Donc on peut toujours rouler en version cool. Donc cette fois-ci, on a toujours les modes éco, standard et sport. Alors, on va voir, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Alors, je garde la même pression sur l'accélérateur. Ok. Donc ouais, on sent que la cartographie, elle se modifie un petit peu, même si c'est une boîte manuelle. Donc on va quand même pouvoir faire des économies. Donc c'est pour ça qu'au début, en y allant vraiment tout doux, c'était un petit peu moins péchu. Mais on sent que c'est quand même un petit peu moins péchu que la version 158. Alors, sinon, on a toujours la même voiture, toujours bien niveau châssis. Dans ces sièges, on est pas mal. Alors, je vous avoue que j'ai préféré quand même ceux d'avant. Là, je les sens un petit peu plus étroits au niveau du haut du dos. Mais pareil, ils maintiennent plutôt bien dans les virages. Je suis bien appuyé au niveau des côtes. Ça, c'est un plus parce qu'il y a beaucoup de voitures où on se balade dans les sièges et ça, j'aime pas du tout. Surtout là, quand on se fait des petites routes comme ça, c'est agréable d'avoir un bon maintien. Et même au niveau des cuisses, eh ben, on garde toujours un bon maintien. Donc là, sur cette version, on a toujours les doubles écrans. On a toujours l'affichage tête haute. Ça, c'est quand même un gros plus. Allez, on relance un peu. Ça relance quand même bien, hein, au final. Bon, là, je suis tout seul. On n'est pas dans une voiture chargée avec 5 personnes. Mais c'est largement suffisant. Mais je trouve qu'on adopte quand même un autre style de conduite lorsqu'on est entre une manuelle et la boîte auto. Là, on se dit, ah, il faut que je pousse le rapport un peu plus haut. Il faut en monter. Alors qu'avec la boîte automatique, bon, on laisse la voiture faire. Et je trouve qu'on a une conduite plus coulée avec une boîte auto. Vous, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je trouve qu'une boîte auto, ça m'apaise et ça me fait rouler beaucoup plus tranquillement. Et en dynamique, donc là, on n'a vraiment personne. C'est plutôt bien sur les gros freinages appuyés. C'est vraiment pas mal pour un SUV. Allez, hop, gros freinage, ça freine bien. Ça tourne bien, ça réaccélère plutôt bien. On peut avoir une conduite dynamique avec. Mais c'est franchement bien. Le Duke aussi était sympa, qu'on avait essayé sur la chaîne. Il était encore un petit peu plus rigide que ça. Mais là, pour un petit cache-caille, eh ben, c'est franchement agréable à utiliser de cette façon. Tout en respectant les limitations, parce que bah, ce genre de virage, on ne peut pas le prendre à 70. Et la direction est pas mal. Alors, là, quand on emmène, on sent bien. Alors, je vais essayer avec le mode éco. Il y a une différence dans la direction. On se sent légèrement entre le éco et le sport, j'ai l'impression. Mais la direction est franchement pas mauvaise. En tout cas, donc là je suis en mode éco. Ah, je suis pas certain, en tout cas c'est pas déconnant. On a une voiture plutôt incisive, on a un bon train avant, pas mal.
Bon alors, ce Qashqai, qu'est-ce qu'on peut en penser? Cette version 2021, elle apporte vraiment un petit coup de frais là parce que ça manquait vraiment chez Nissan. Il y a le Juke qui avait été renouvelé, l'Ariya qui va arriver, mais pour le moment là, il n'y avait rien de croustillant. Et là, enfin, voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Alors, les précommandes avaient déjà été ouvertes depuis mars. Il y en a eu quelques-uns de commandés. Le fait vraiment de le voir en vrai maintenant, de pouvoir le faire rouler, c'est quand même un gros plus. Donc, top d'avoir vraiment refait un nouveau modèle de Qashqai en ayant tout repensé, le châssis, le design, l'extérieur, l'intérieur. Vraiment, il y avait besoin de cette touche de modernité parce que face à la concurrence, il faut dire que le Qashqai, il se faisait vraiment vieillissant. Et là, voilà, Nissan est enfin revenu avec quelque chose d'intéressant pour moi. Au niveau du confort, la voiture reste plutôt bien. C'est une bonne voiture, on peut faire vraiment de la route avec, on sera confortablement installé. Au niveau des consommations, ça va. C'est pas forcément ce qui se fait de mieux de nos jours parce que c'est pas forcément ces vrais hybrides, c'est ces mild hybrides, ces micro-hybridations comme on appelle chez d'autres marques avec juste un gros start and stop. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Il y aura la version e-Power qui va sortir l'année prochaine, qui sera une version un petit peu différente et assez particulière, qui fera non plus pas de mal et qui sera aussi sûrement bien vendu une fois que les gens auront compris un petit peu ce que c'était. Pour moi, c'est une bonne voiture. Elle n'a pas forcément de défauts, de gros défauts, à part que peut-être voilà, une version hybride rechargeable pour être dans l'actu, ça aurait été top. Sinon, c'est confortable, ça roule bien sur tout type de route. Le design, le fait que ça ait été renouvelé, ça me plaît bien cette fois-ci. L'ancien Qashqai, je n'étais pas ultra fan. Dommage qu'il n'y ait plus de 7 places comme les tout premiers. Il y aura les versions X-Trail qui sortent l'année prochaine également chez Nissan. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ce Qashqai? Donc c'est quand même une voiture qui s'est vendue à plus de 330 000 exemplaires en France, 3 millions en Europe, 5 millions à travers le monde. Ça a vraiment fait remonter Nissan. Et je pense qu'avec ce modèle-là, à mon avis, ça va devoir continuer puisque là, on a quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochains essais. Ciao.